Ok, je vais juste prendre. Béatrice Felder. Alors, Béatrice Felder, vous, c'est la société Orange. Let's switch, sorry. We're going to switch again in French here at this 12th edition of the BioVision Forum. BioVision Forum is 1,200 attendees and more than 150 speakers and experts debating. You are a sponsor. Alors, on va en passer en français maintenant. Donc, la société Orange, vous êtes partenaire de BioVision. C'est la 12e édition de BioVision. C'est important pour vous d'être ici. Ah, Sido, sorry, ok. On recommence, s'il vous plaît, remettez un jingle, merci. Okay. Non, tu ne peux pas remettre un jingle? Ok, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Vous me donnez un top? Non, je ne sais pas. Je dois les avoir quelque part. Pourquoi vous c'est bon, I have it. Je peux y aller? Deux. Et on repasse maintenant en français parce qu'on passe aussi du BioVision à Sido. Et Sido, nous avons à nos côtés Béatrice Felder, qui est CEO de chez Orange Application for Business. C'est ça? C'est très français, ça. J'ai besoin que vous teniez votre micro. Alors, il y a une vision d'Orange Business Service sur tout ce qui est IoT, c'est ça? Quelle est cette vision? Est-ce que vous pouvez nous décrire pour un large public, brièvement, cette vision? Alors la vision, elle est même plus large qu'Orange Business Service, elle est du groupe Orange. En fait, la partie IoT fait partie des deux grands enjeux d'innovation et de croissance pour le groupe. Orange Bank est l'un d'eux, l'Internet des objets est le deuxième. Et pour Orange Application for Business, que je dirige, en fait, tout s'assoit autour d'une offre qu'on appelle DataVenue, qui est composée de quatre éléments qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur. L'élément de sélection d'objets et de certification des objets, l'élément de connectivité, l'élément de plateforme qui récupère cette information et la stocke, et puis le quatrième élément est celui qui permet à ces informations stockées de rentrer et d'alimenter les systèmes d'information de l'entreprise. Et donc votre vision, c'est faire interagir tous ces éléments? Ma vision, c'est d'aider le marché à se développer sur l'Internet des objets avec une croissance rapide qui existe et qui est très importante en France comme à l'international. Il y a une légitimité de Orange Business Service en matière d'IoT? Bien sûr. Déjà, on est parti évidemment de la connectivité avec maintenant des réseaux dédiés à l'Internet des objets comme LoRa. Et on a construit des briques. On est très légitime parce qu'une des grandes inquiétudes autour de l'Internet des objets, c'est la sécurité de bout en bout. Et nous, en fournissant ces quatre briques qui composent la proposition de valeur de l'IoT, on arrive à proposer des projets à nos clients qui sont des projets où la sécurité est de bout en bout et l'intégration est de bout en bout. Et ceci aussi grâce à l'aide d'Orange Cyberdéfense. Parce que c'est un marché qui est fragile, qui n'est pas sécurisé. C'est la raison pour laquelle vous faites ça? Vous êtes une marque de crédibilité, c'est ça? Absolument. On ne peut pas dire que ce soit un marché plus attaqué que les autres, mais c'est vrai qu'un objet, par exemple, pourrait être détourné de son usage par une cyberattaque. Et donc l'important, c'est de sécuriser de bout en bout la chaîne, de l'objet, du réseau, de la plateforme et de l'intégration au système d'information de l'entreprise. Vous avez un exemple concret? Non, heureusement, on n'a pas été attaqué. Et on a réussi à déjouer toutes les attaques, mais on est attaqué tous les jours et heureusement, on fait face. Et quelles sont ces attaques? Elles viennent de partout maintenant, je suppose. Vous avez plus d'éléments sur ces attaques, d'où elles viennent ou... Non, elles viennent de partout. Elles viennent vraiment de partout. Et l'important, j'allais dire au-delà de ça, c'est quand même de créer de la valeur pour l'entreprise grâce à ce projet d'Internet des objets, de créer cet usage qui va leur permettre de se transformer, d'être plus efficients demain qu'ils ne le sont aujourd'hui et évidemment, parfois, de faire des économies ou, à minima, de se différencier de la concurrence grâce à ces projets d'IoT. Qui sont beaucoup plus sécurisés. Merci beaucoup, Béatrice Felder, CEO de chez Orange Application for Business. Et on vous retrouve sur Sido et aussi sur BioVision. Passons maintenant à un nouvel invité. Merci.